Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Resident Evil, The Dark Side Chronicle, sorti en 2009 sur Wii. C'est la suite de Umbrella Chronicle. Alors que Umbrella Chronicle reprenait Resident Evil 0, 1 et 3, ici Dark Side Chronicle reprend Resident Evil 2, Code Veronica et un chapitre inédit. Voilà. Donc on va faire un petit tour d'abord dans les armes. Donc vous voyez que niveau armes, ils ont laissé tomber le principe d'avoir 4 armes à chaque fois de différentes pour chaque genre. Genre 4 fusils à pompe, 4 mitraillettes, 4 lance-grenades, tout ça. Non, maintenant ils sont revenus à une seule arme de chaque. Donc on a seulement un pistolet, un fusil à pompe. Une mitraillette, un magnum, un lance-roquette, un lance-grenade, une arbalète, et c'est tout. Donc, hop, on sort. On va pouvoir faire des scores, avoir en ligne tout ça. D'ailleurs, il semble que le jeu en ligne de la Wii, à ce qui passe, que j'ai entendu, j'ai pas vérifié. Comme quoi, il serait coupé, désormais, comme la Wii U est sortie. Et seuls les téléchargements sont encore en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est WiiWare et console virtuelle. Ce qui rapporte du pognon à Nintendo, quoi. Donc voilà, bon, on va aller dans Chronicle. Donc comme vous voyez, on a trois chapitres, le jeu est divisé en trois parties, c'est-à-dire l'opération Javert qui est l'épisode inédit avec Léon et Krauser. Pour ceux qui se souviennent, Krauser, c'est celui qu'on affrontait au couteau dans Resident Evil 4. Après, Mémoire d'une cité perdue, c'est Resident Evil 2. Et enfin, le jeu d'oubli, c'est... comment ça s'appelle ? Code Veronica. D'ailleurs, là, on a encore un jeu de shooting. Mais au moins, cela, c'est mieux fait que le fameux Survivor 2 qu'on a eu sur arcade et PS2, qui était vraiment une honte à Code Veronica. Donc on va prendre Resident Evil 2, tiens, hop, le premier chapitre. Et puis non, tiens, on va plutôt faire Code Veronica, tiens. Histoire de rendre un peu hommage à un des meilleurs Resident Evil qui avait été massacré. Hop. Ok, bah j'ai pas trop compris ce qu'il a marqué. Donc on a un choix entre Claire et Steve. Moi je vais prendre avec Claire. Donc là, comme vous pouvez voir, déjà première nouveauté, chaque personnage a sa barre de vie. Alors que dans le premier, quand on joue en mode de joueur, chaque personnage, on partage à deux la même barre de vie. Ce qui était assez énervant, comme je vous dis, si on joue avec un bébé, on pouvait perdre des points de vie assez inutilement. Donc après, niveau armement, on règle notre armement comme on veut, avec la croix ou le stick du nunchuk. Et en plus, donc, on se partage les armes, c'est-à-dire on aura autant de munitions pour les deux, quoi, c'est-à-dire... disons, si là, par exemple, j'ai 12 cartouches dans le fusil à pompe, si on prend à deux le fusil à pompe et qu'on tire, on n'utiliserait que les 12 cartouches, c'est-à-dire on n'a pas chacun 12 cartouches. On a 12 cartouches en tout, c'est-à-dire limite on pourrait tirer chacun 6 fois. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, moi je fais une glace comme ça. Donc on va y aller. Là ça va, je joue assez loin. Pas de chargement. Aristocrates, entitled and sustained by a greed for power. Having been involved. Voilà, ça on passe. I feel like this year. Il n'y a pas dit asymétrique, elles sont en classe. Don't you, Alexi? Alors là, c'est notre taré.
Damn it. Which way? Bah, ça rencontre entre Steve et Claire. D'ailleurs, c'est un peu dommage, Claire, on la voit pas, on l'a pas vue depuis Code Veronica dans un jeu de la série principale. C'est un peu dommage. Il y a une rumeur comme quoi on voudrait la revoir dans. Le prochain Resident Evil. Putain, j'ai même pas vu. On peut pas tout péter ici. Putain, dommage. Bon, de toute façon, je vais éviter de tout casser comme d'autres parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai pas une mission infinie. Ah! Allez, hop, on y va. Donc, ça reprend un peu le même système que le premier pour tout ce que tir, rechargement. Ah, mais à part que l'écran bouge tellement quand il pas. Là, par contre, comme les deux personnages sont quasiment tout le temps ensemble, des fois il peut y avoir qu'on a. Donc, quand on joue à deux et qu'on voit les deux personnages à l'écran, celui qui contrôle, il peut pas le tirer. Et donc, ça arrive souvent au jeu. Ça, c'est de l'argent pour améliorer les armes, mais bon, tout est déjà amélioré. Allez, hop. Bon, de toute façon, comme dans l'autre, je ferai qu'un seul niveau. Pas besoin d'en faire une cinquantaine. Allez. Ah, dans le jeu là, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent papoter. On va avoir une séquence de tir, ils vont papoter. On va faire 3 mètres. On refait une séquence de tir, ils vont papoter. Allez. Ça me fait fou du jeu ça, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent dominer pendant les séances de tir. C'est-à-dire ça casse un peu le rythme, j'avoue, ça. Autant dans le premier, on a les zombies sur zombies, donc. Donc on a les zombies sur zombies, donc on n'avait pas le temps de se reposer. Alors qu'ici on a des. On a disons des. Ouais, des hommes, en fait, il faut que parler, quoi. Allez, hop, on fouille ici. I know it's a mess, but feel free to make yourself at home. Oh God, what happened here? Voilà, aussi dans celui-là, dans certains niveaux, on va avoir des chemins alternatifs, c'est-à-dire enfin. On nous proposera deux chemins et en fonction. Mais bon, on arrivera toujours au même point. Mais ça permettra de faire plus de. Récupérer des trucs à droite ou à gauche, quoi. Mais tu vois, c'est un peu mieux fait que dans le premier où c'est simplement tout alternatif, juste une pièce de temps en temps. I gotta deal with this girl's power trip on top of everything else. Allez, hop, on avance. Oh man. Excusez-moi. Is he your cellmate? Je suis un peu enrhumé. I can't even tell anymore. Allez. Hey, I think we should go back. I have a bad feeling about this. Allez, avancez les gars, petit. C'est ça qui est énervant, c'est que je suis obligé d'attendre pour flaguer. Donc ce soit. Ah, d'un autre côté aussi, les herbes vertes, elles sont plus consommables automatiquement, quoi. Ah, c'est vite. C'est-à-dire ici, on peut les garder les herbes et s'en servir. Quand on en a 20.
Oh, on a toujours un qui va se faire bouffer, ça m'énerve ça. Mais c'est ça prend bien les décors quoi, là il y a très peu de modifications par rapport au décor original. Y'a rien à la poubelle, non? Y'a rien ici. Allez. En plus, ils prennent des plombes à avancer. Alors que dans l'autre, c'était quand même beaucoup plus rapide. Ici, allez, crève sa tête. Voilà. Allez, mais crevez, saleté! Ouais, ça c'est. Il y a quand même deux des fois le jeu, c'est un. C'est justement toutes ces phases où il va rien se passer. Et aussi, justement, quand il y a trop d'action sur l'écran, t'as l'écran qui bouge dans tous les sens, on a un mal de chien vidé, c'est assez énervant. C'est bon, on a flagué tout le monde, on peut y aller. Ouais, donc c'est le gros défaut du jeu, ça. C'est d'un côté, on a des phases comme ceci, là, où il se passe rien, et on se met à papoter des plombes. Et de l'autre, quand on fait une action trop... comment dire... quand on est en pleine action, il y a le petit clair. Je veux dire qu'une fois qu'on a... enfin, dans le feu de l'action, l'écran tremble tellement qu'on a du mal à viser, quoi. C'est ça que je veux dire. Hop, on va le passer, ça. Putain, pour des mitraillettes, c'est pas très efficace, hein. Je vais essayer de me battre au fusil à pompe, tiens. Allez hop. Moi j'aime bien quand ça atteint des bruits des armes sortir de la Wiimote. Oh merde, j'ai appuyé sur le menu option, j'ai appuyé sur C au lieu d'appuyer sur Z. Allez au suivant. Allez. Ah, il y a quelque chose là-bas. J'ai pas le temps d'appuyer. Allez. Je crois que là, on va devoir affronter les chiens. Je le sens bien. Oh, moi, j'aime bien les effets comme ça où tout est noir et on dirige la torche. Ça, ça fait classe. Allez, on les vit doucement. Oh, il n'y a pas le temps de comprendre. C'est bon, j'ai eu les deux, ouais. Voilà, il est mort. Eh ben, c'est dans les phases comme ça où on arrive en courant, c'est parce qu'on arrive pas à bien tirer tout ça, c'est assez énervant. Alors venez en mitraillette, allez hop. D'ailleurs c'est quand qu'on affronte un boss ici? Eh, ils ont survécu à la mitraillette des chiens. Saleté, crevez saleté, allez. Ça les a eu, ben, j'espère. Allez, crevez saleté. En fait, on est revenu au point de départ, cool.
Voilà. Alors, ici. Allez, hop, premier saleté. Alors, je laisse sur le côté, allez, mais tombe-toi, saleté. Voilà, on y va, on continue. Ah, ils peuvent ouvrir, ça c'est bien. Alors, mais seulement s'ils pouvaient avancer un peu plus vite, ça serait bien. Ils étaient plus libres, madame Big, le premier. Ils avançaient plus rapidement, pièce en pièce. Non, non. Alexia. Enfin, c'est pas la vraie, c'est son frangin qui est déguisé. Espèce de travelo. J'adore cette chanson. On peut pas couper ? Ah non. Wait. What are you gonna do? She must be out of her mind singing a lullaby at a time like this. That's exactly why I can't leave her out here all alone. You gotta be kidding me. I should have just left you alone too. Elle crève toi aussi, voilà, voilà. Allez, mais... Hop, on va vite. Bon, pourquoi vous n'avez pas marqué, si j'en ai pas parlé, il y a un système de... combo, ça veut dire plus on devient plus un zombie à l'écran, plus on va gagner des points. Alors... Des chauves-souris, je sais même pas comment on les flingue. Tout ça, je crois que ça va passer en mode couteau. Il est tombé. Ouais, quand on a plein de petits ennemis à l'écran, faut mieux c'est passer en mode couteau. Ça c'est simple, il suffit d'enfoncer Z et de secouer la nunchuk. C'est assez pratique, c'est contre les piranhas dans l'opération Javier. Allez, on va les saleter. J'ai quand même soigné un peu parce que je vois parce que ma vie a quand même baissé. Alors sur Claire. Ouais, ça me fait chasser les premiers. Putain, y'en a combien comme ça? Allez. Plus casse. Ah bah ouais, le niveau est fini. Ah, c'était assez pour voir sur toute la fin avec des chauves-souris. Donc voilà, c'était Resident Evil The Dark Side Chronicle. Pas besoin de vous faire montrer votre niveau, c'est toujours de la même rengaine. Sinon, que dire? Ouais, il est un peu... Il est quand même un petit peu plus joli que le premier, surtout au niveau des personnages. Alors, le premier, on avait quand même un style assez proche de du Zero et du Rebirth. Là, ils ont été un peu affinés, les personnages, même s'ils étaient déjà beaux dans le premier. Que dire d'autre? Alors que le premier était assez action, c'est-à-dire on faisait zombie sur zombie sur zombie, pièce en pièce, on avançait assez vite. Là non, on manque de rythme. C'est-à-dire d'un côté on va avoir pas mal de nos personnages vont pas mal babiner. Et donc au final
ils pourront pas avancer. On va perdre du temps, on papelote, inutile. Et comme ça, dès qu'on va se retrouver en phase de combat, ils vont paniquer, l'écran va passer dans tous les sens, et résultat, on va avoir un mal de chien à viser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, à savoir la dernière de Resident Evil, à savoir Resident Evil Operation Raccoon City sur 360. Bon, je ferai pas la révélation, puisque pour le moment, 1, je ne l'ai pas sur ma 3DS, et 2, je vais plutôt attendre qu'il sorte sur console de salon pour faire une meilleure capture, parce que filmer une console portable, non merci. Je sais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait le mercenari sur 3DS. Donc voilà, on se quitte là-dessus, et à la prochaine pour la dernière vidéo de la rétrospective Resident Evil. Allez, bye!